Salut tout le monde, on se retrouve là où on s'était laissé. Je sais, je fais dans l'original. On va mettre les fusibles et faut tous les insérer, d'accord. Et on va récupérer notre clé pour se barrer de là. Et c'est vrai. Ah mais non. D'accord. Va falloir que j'aille le récupérer plus bas, je suppose. C'était pas vraiment prévu que ça se casse la gueule comme ça, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. On va faire avec. Alors, sûrement tomber à l'étage du dessous. Et si c'est pas le cas, et bah déjà je serai deg. Et en plus j'aurais perdu du temps. Mais sinon, ouais, c'est sûrement dans la pièce où il y avait le fou qui était collé au mur. Hop, personne. On va essayer de faire ça silencieusement. J'espère que c'est là. Parce que si c'est pas là, j'ai pas le souvenir d'être passé à côté d'une pièce du genre. Et lui, il est toujours là, ça a pas changé. On va s'éloigner de lui gentiment. Et non, c'est pas là, hein. C'est pas là. Où est-ce que c'est? Où est-ce que ça peut bien être, cette saloperie? Ah, mais je suis deg sur le coup, quoi. C'est un petit peu abusé, ça. Moi, j'ai pas la moindre idée d'où je dois chercher. Peut-être par là. Tout est dans ma tête. Ouais, je te le fais pas dire. Ah, cet endroit-là ne me dit rien. Donc c'était peut-être fermé tout à l'heure. Ah, il y a moyen que ce soit ici. Il y a moyen. Oui, bingo. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Que dalle. D'accord. Et bon, c'est pas grave, on récupère la clé. Yes! Et on va pouvoir se barrer. J'espère que je suis pas loin de la fin du jeu, ça serait vraiment bien. Casse-toi! Qu'est-ce que tu me veux? Où est-ce que je vais utiliser une clé déjà? En haut. Oh putain, j'ai failli oublier de sauter. D'accord. Donc, t'es ici, c'est ça? Bingo. Ah, on va fermer derrière nous parce qu'on sait jamais. Hein. Il y a tellement des fous ici que j'ai pas confiance. On monte, on monte, on monte. On se rapproche de la fin. Et j'ai raté mon saut. C'est-à-dire que ici, j'ai pas m'amuser à refermer et à ouvrir à chaque fois, je crois. Heureusement, je me suis pas tué en ratant le saut. Ah. Je passe pas loin, je passe pas loin. Hop là, voilà. Là, ça ressemble à un vrai saut. Là, c'est mieux. Suivez les traces de sang. Encore. Follow the blood. Ah oui, des piles. Ah oui. Ça, c'est super bon. Ça fait hyper plaisir. Par contre, suivre les traces de sang, ça... Ça me parle déjà un peu moins, ça j'apprécie moins. Ah, un nez qui gratte. Oh, salut psychopathe. Oui, tout à fait. Et moi, faut pas que je tombe avec toi. J'attends que tu te tournes le dos quand même. Oui, je... Alors, où est-ce que je suis? Alors j'aurais dit avant ces deux derniers épisodes que techniquement s'il n'y a pas d'endroit pour fuir, il n'y a pas de danger. Mais en fait c'est pas le cas du tout. Surtout après ce qui vient de se passer. D'accord, 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 d'accord. Si l'Ariel, faudra un jour que tu arrêtes de dire des conneries qui te foutent dans la merde. Tu sais très bien que t'as de la poisse, alors arrête de dire des trucs du genre il n'y a pas de danger.
Bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai ma pile qui arrive bientôt à bout. Alors. Ah, voilà, faut que j'escalade tout ça. On va changer la pile. Allez, monte. Voilà, c'est bien. Et on va monter par là. Voilà, il y a un putain de trou, il fallait que je marche dedans. Normal. Alors... Ah ouais, celui-là, je suis tombé. Alors, on était un petit peu obligé de marcher dedans. Mais bon, c'est pas une raison, je veux dire, voilà, la poisse quand même. Oh, une porte à moitié ouverte. On dit ça, une porte entrouverte. Donc... On va aller par là, parce que là-bas, il y a une lumière. Non, c'était qu'une impression de lumière. Là-bas aussi. Là-bas, on a un dossier. Sur un fou, à mon avis, je suppose. Ouais. Voilà, si vous avez envie de lire, vous connaissez... Enfin, vous savez où se trouve le bouton pause. Là, en l'occurrence, si vous n'avez pas appuyé sur pause avant, vous faites retour en arrière, et là, vous mettez pause. Enfin bon, je vais pas vous... Ah ! Fermé. Bon. Si ça, c'est fermé, c'est qu'il faut que je passe par là. Oh, putain. Saloperie de fantôme. Alors, je reconnais l'écriture. Le père Martin a tué un homme ici. Qu'est-ce que les mensonges dont il parle? Ce seraient les dossiers qui ont disparu de toutes ces boîtes, les faits, les archives. On dirait des documents d'une agence officielle. Ils ont l'air d'avoir au moins 30 ans, probablement plus. Je commence à réfléchir à cette histoire de MQUltra, de CIA, de contrôle mental. Le bourdonnement est permanent. Ah, parce que maintenant, ça commence à bourdonner dans nos oreilles, pour histoire qu'on soit un petit peu plus sûr de devenir fou. Ok. Pour l'instant, tout se passe bien. La flèche me dit d'aller là-bas, donc... Salut! Ah, d'accord. Ouais, moi, je voulais tracer devant eux, en fait. Devant les messieurs tout nus qui me veulent du mal. Mais c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire, fallait peut-être refermer la porte et se casser en courant. Salut! Salut! J'aime les deux portes, hein, on sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Ah d'accord. En fait, faut que je m'amuse à faire des tours et des détours. Pour que eux sortent de la pièce. Salut! Non, je peux pas leur passer viteuf devant. Faut que je me démerde pour qu'ils sortent de la pièce et que moi je les contourne, que je rentre, mais le problème. C'est facile de faire ça quand il n'y a qu'un seul mec et qu'on a un petit peu repéré la zone. Sauf que là, ils sont deux. Deux et ça ouvre les portes. Allez, passe. C'est bien. J'espère que ton pote te suit pas. J'espère que tout va bien se passer. Ah, il referme les portes derrière lui. Il ouvre et il ferme. D'accord. Bon, avec de la chance, l'autre, il est plus là. Et on a fermé la porte, et maintenant... On cherche un moyen de sortir. Oh, une pile. On va passer par là. En même temps, une pile au plein milieu de la route, ça aurait été trop beau. Alors...
Hop là. Donc je vais... d'accord, ça devient de nouveau un petit jeu de plateforme. Et je crois qu'il faut que j'évite de tomber, ça serait très, très malvenu. Ça, c'est un sacrément gros saut quand même. Je pense pas pouvoir y arriver. À mon avis, tout est prévu pour qu'on tombe. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer. Ah ! Oula, j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai failli paumer ma caméra. Hé, caméra, viens là. Et merde. Et merde. Aïe. Non. Non. Ouais, je sais que j'ai besoin de mon caméscope pour me déplacer dans l'obscurité. Merci, je suis au courant. Ah, parce que là, je vois rien, donc je vais être obligé de descendre. Et je n'ai pas la moindre idée. Putain, c'est à l'étage d'en dessous. J'étais sur le point d'arriver à destination et puis forcément, il y a une couille qui m'arrive. Et moi, j'ai pas la moindre idée d'où il faut que j'aille. Je vois personne. J'entends personne. Tout est très calme d'un seul coup. Un peu trop calme. Je préfère quand c'est un peu moins calme. Quoi ces bruits ? C'est quoi ces bruits ? On va ramasser la pile. Si c'en est bien une. Oui. Alors remarquez le bon côté des choses, c'est que là on n'utilise pas de piles, mais bon... Ok. Tranquille, zen. C'est vraiment pas rassurant de ne plus avoir de piles d'un seul coup. Je ne vois rien, rien du tout, rien du tout. Ok. Ça, c'est l'accès au niveau inférieur. Niveau que je vais devoir traverser pour trouver mon caméscope. Jusque-là, vous suivez. C'est suspect de croiser personne hein. Depuis tout à l'heure. Ah, salut! Ok, devant il y a l'air de rien y avoir. Là-bas, rien non plus. Oh putain! Oh le con! Désolé si je vous ai pété les oreilles, hein, c'est. J'ai paniqué. Oh la vache! Salut! Toi aussi, t'es un psychopathe? Il m'a fait peur, ce con. Ok. On pourrait croire qu'il faut aller là-bas. On pourrait supposer. Là, j'avance, je vois absolument rien, mais c'est pas grave, j'y vais. Je vais ramasser ça, et je vais me rendre compte que je suis dans une merde noire. Eh, putain, il l'a abîmé. Oh, putain! Laissez-moi! Allez.